Ici, nous avons une corde en simple. Et là, nous avons une corde en double. Ici, le bout de la corde en double. Là, nous avons le bout de la corde en simple. Vient ensuite la ganse en double. Ici, nous avons la ganse en simple. Et oui, le bout de la corde en double ressemble à une ganse simple. Nous trouvons ensuite la boucle en double. Là, on a une boucle en simple. Voici une demi-clé. Ici, nous avons deux demi-clés, une clé de capeline. Ici se trouve le demi-nœud. Quand on regarde de près le demi-nœud et la demi-clé de capeline, c'est exactement la même chose. Et quand on resserre le demi-nœud, on obtient un nœud. Toute la partie ici en simple et en double qu'on utilise avec laquelle on travaille, ça s'appelle le courant. Ici, nous avons une petite partie là qui s'appelle le ballon. Et toute la partie qu'on n'utilise pas en simple et en double, ça s'appelle le dormant.